vous assurer les commentaires. Attention à ce match hein, qui a un gros enjeu, puisque l'équipe va peut-être pouvoir sortir définitivement de la zone de relégation. La France affronte le Portugal. Oui, Hervé, rappelons que les joueurs sont passés par pas mal de moments délicats depuis le début de la saison. Allez, ils peuvent encore assurer l'essentiel et garder le droit de rejouer dans la même division la saison prochaine. La condition, il faut prendre au moins un point aujourd'hui. Oh non, il gâche un peu cette occasion. Si vous voulez mon avis, il n'a pas choisi la meilleure option, hein, parce que le jeu, c'était pas là. Danilo Pereira. Ah, il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif, qui est très compact. Le centre dans la surface. Ça reste un match qui promet, avec deux joueurs qu'on va suivre de très près, notamment. Deux éléments clés de leur équipe. Allez, il faut le mettre celui-là. Oh, l'ouverture du score. Déjà un but dans cette rencontre. Ah, ça devrait être animé. L'entraîneur qui donne ses dernières consignes. Le joueur qui va rentrer. Griezmann. Un Griezmann. N'Golo Kanté. Ah, il se fait. Ouais, bonne prise de balle du gardien. Wissam Ben Yedder. Oui, ballon de Ben Yedder qui perd le contrôle. Ce ballon qui revient à l'adversaire. André Silva. C'est une perte de balle là pour le Portugal. André Silva. Antoine Griezmann. Ah, mais le danger certainement avec Kylian Mbappé. Ah, c'est un but très précieux. Regardez le sourire qui revient sur le banc de touche. Même si rien n'est fait, ils peuvent à nouveau croire au maintien. Ouais, sur le plan comptable, évidemment, c'est déjà mieux. Non, je ne serais pas surpris qu'ils bétonnent en défense. Un but partout, les deux équipes dos à dos. Ousmane Dembélé. Il est allé au charbon pour prendre ce ballon. Ronaldo. Ouais, il est passé. Oh oui, le but pour les Portugais. Les Français en difficulté qui se retrouvent menés alors que le jeu reprend. Wissam Ben Yedder. Wissam Ben Yedder. Avec Ben Yedder. Il y a certainement quelque chose à faire là pour l'équipe de France. Allez, pourquoi pas l'égalisation. Ah non, ce sera une sortie de but. Attention, le gardien qui loupe complètement son engagement, c'est dangereux. Kylian Mbappé. Oh, le but. Oh, magnifique. Quelle reprise. Le ralenti avec cette énorme faute d'inattention, il faut bien le dire, le ballon est perdu. Et dans cette partie du terrain, ben, ça fait très mal tout de suite. Griezmann. Pour Coman. Kylian Mbappé. On va repasser par Coman. Kylian Mbappé. Le gardien qui ne peut que repousser, c'est pas terminé. Coman. Heureusement qu'il a été dévié. Sinon, c'était au fond. Ouais, il prenait clairement le chemin du but. André Silva. Les joueurs portugais qui se projettent vers l'avant. Oh, super barré. On la voyait tous au fond, mais le gardien était là. Il va y avoir un changement.
Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. C'est dégagé en corner. Un corner bien tiré au niveau du point de pénalty. Et le gardien qui éloigne le danger sur ce corner. Et ce centre qui n'est pas parti bien loin, contré. Le ballon qui sort. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. André Silva. Il fallait le récupérer, hein, ce ballon. N'Golo Kanté. Avec Ben Yedder. Ouais, belle série de passes là. On est en phase de préparation avant de piquer. Ousmane Dembélé qui voit sa passe interceptée. Le ballon qui file en touche après cette mauvaise passe. Antoine Griezmann. Ousmane Ben Yedder. Ouais, bel exploit individuel. Attention à lui. Ça, c'est un but qui fait du bien, qui pourrait permettre à l'équipe d'assurer son maintien. Ouais, Hervé, de quoi éloigner encore un peu plus la menace. Très bien donné, on le revoit, ce ballon en profondeur, beaucoup de clairvoyance de la part du passeur. Et tout est parti de ce contre avec un joueur qui part seul au but. Il a bien résisté au retour de la défense et il a laissé aucune chance au gardien. Une belle action individuelle. Ce ballon qui est perdu, peut-être un contre. Ouais, bonne lecture du jeu sur cette interception. Oh oui, encore une bonne passe. Ah, le danger certainement avec Kylian Mbappé. Oh, le bon ballon pour Griezmann. Oh, il y est. Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. 4-2, avance de deux buts au tableau d'affichage. Et les supporters qui font savoir assez bruyamment à l'arbitre qu'il aurait dû accorder un pénalty à leur équipe. Attention à ce ballon récupéré, là, très haut. Cristiano Ronaldo. Elle a complètement manqué son tir. Kanté. Wissam Ben Yedder. La bonne conduite de balle, le contre qui est lancé. Et c'est le but après d'énormes efforts collectifs de la part de cette équipe. Quel pressing! Ouais, ils ont été courageux, ils courent sur tous les ballons ou presse, et c'est ce qui leur a permis de marquer. On revoit sur ces images la passe en profondeur, tout par-delà. Cette perte de balle, elle leur coûte cher. Ouais, après ça va très vite, hein, mais le buteur signe un bel exploit individuel. Ouais, ce match qui vire à la démonstration dans cette première période. Il se présente face au gardien. Oh, bien joué Loris! Bien joué, il remporte ce duel. L'arbitre qui siffle la mi-temps, 7 buts dans ce match, après 45 minutes. Le début de la seconde période, les Portugais à la manœuvre. Il cherchait un partenaire, mais il a trouvé sur son chemin Antoine Griezmann. Griezmann. Wissam Ben Yedder. L'équipe de France qui part à l'attaque. Antoine Griezmann. Oh, ce tir qui frôle le poteau! Ça partait bien pourtant, c'était pas très puissant mais bien ajusté. Oui, une dernière occasion qui alimente des statistiques sans appel à l'image du score d'ailleurs. Bernardo Silva, il a un petit peu d'espace, il peut centrer. Une tête qui n'inquiète pas trop le gardien. Un corner. Et le tireur qui a visé la zone du point de pénalty. C'est repoussé par le gardien. Bernardo Silva. Et normalement, parfois, en tout cas, les buts appellent les buts, Pierre. Il est devenu un peu gourmand, et puis je m'y connais. Puis le triplé, ce sera pour plus tard. Acamondes.
à Griezmann. Un ballon perdu un peu bêtement par Griezmann. C'est un petit peu la stupeur ici, hein, Pierre. Ouais, l'équipe est complètement transparente par rapport à son adversaire. Oh, le but peut-être. Ah oui, le but. Le but qui vient alléger un petit peu la note. Ouais, une note qui reste quand même encore un peu chez Ross, hein, pour espérer quoi que ce soit, on va pas se mentir. Hein. Danilo Pereira. Ok, Danilo Pereira. Bruno Fernandes. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Wissam Ben Yedder. Antoine Griezmann. Coman. Ouais, c'est bien joué défensivement, bien vu. Le ballon dégagé au large. Alors qu'on arrive aux deux tiers de cette rencontre. Plus qu'une demi-heure à jouer. Allez, le contre, il faut aller vite maintenant. À la défense qui respire parce que ce contre aurait pu être dangereux. Antoine Griezmann. Kylian Mbappé. Griezmann. Mbappé qui va pouvoir créer le danger. Ouais, ça presse haut. Attention à ce ballon. Ah ouais, c'est bien fait ça. Contrer cette frappe. Kylian Mbappé. Ousmane Dembélé. Ils ont manqué l'occasion d'accroître un peu leur avance. André Silva. Ce sera une remise en jeu après ce ballon qui a été dévié. Kingsley Coman. Ah, le drapeau s'est levé, mais ça doit être vraiment limite limite. C'est une perte de balle là pour le Portugal. Ouais, bel effort défensif de l'attaquant pour venir disputer ce ballon. Ah, ils ont perdu le ballon, les Portugais. Ouais, bon mouvement amorcé par les Bleus. André Silva. Et le bon pressing qui débouche sur la récupération du ballon. Mbappé. Mbappé. L'attaque est propre, les ballons toujours en jeu. João Cancelo. La mauvaise intervention là. Ah ouais, c'est le jaune. C'est le jaune. Il va falloir faire attention à partir de maintenant. Antoine Griezmann qui cède sa place. Peut-être qu'il aurait aimé aller au bout du match, mais il peut être content de lui. Il a marqué, son équipe mène au score. Bah, il peut s'asseoir tranquille sur le banc. Ah, et ça sort en touche. Paul Pogba. Mbappé. Ouais, c'est intéressant de voir qu'il y a toujours une solution pour le porteur du ballon. Et de la qualité dans les passes, dans les déplacements également. Allez, le ballon pour Digne, pour N'Golo Kanté. Pogba encore. Ils font bien circuler le ballon. Ils sont patients. On en est à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Bernardo Silva. Il avance encore. Il cherche des solutions là. Non, il essaie d'éviter le tacle. Allez, allez, ça doit aller au fond ça. Paul Pogba. Porteman. Les Bleus qui se font plus pressants avec ce ballon.
Heureusement qu'il était là. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. L'arbitre obligé d'intervenir sur ce geste pas maîtrisé du tout. Carton jaune pour Lucas Digne. Un coup franc plutôt lointain quand même, mais ça n'a pas l'air de lui faire peur. Hein. C'est bien de prendre sa chance, mais bon, le but c'est quand même de marquer. Ouais, je pense qu'il y avait quand même d'autres options hein, au lieu de tenter l'exploit. Il va y avoir un changement. Kanté. Mbappé. Mbappé. On redonne à Coman. Bien donné cette passe en profondeur de Ben Yedder. Pas beaucoup de temps additionnel, hein, seulement 2 minutes. Le face à face, attention! Ce ballon qui file jusqu'au gardien. Et qui va pouvoir relancer. Le gardien là qui s'est troué, attention, c'est dangereux! Allez, il peut réduire l'écart là peut-être. Loris. La fin du match à l'instant et les 3 points de plus pour. Allez, danger certain.